Au Bénin, le processus engagé pour désigner les représentants béninois au Parlement régional n'est pas encore achevé. Les nominations ont été reportées en raison de l'impossibilité de parvenir à un accord sur les nominations lors de la session plénière du lundi 15 mai 2023. La commission des lois de l'Assemblée nationale a été saisie d'une variété de points sur lesquels il y a des accords. Les élus du peuple vont devoir attendre le vendredi 21 mai prochain pour désigner leurs représentants devant siéger au sein des parlements régionaux tels que le Parlement panafricain, le Parlement de la CDAO, la Commission interparlementaire de l'UEMOA. En Guinée, mardi 16 mai 2023, la première journée de débat sur un projet de nouvelle constitution a débuté au Palais du Peuple à Conakry. Lors de cette première journée d'échange, plusieurs coalitions politiques ont communiqué des recommandations sur les grandes orientations politiques aux membres du Conseil national de transition. La coalition politique pour la rupture, CPR, a estimé qu'il faudrait opter pour un parlement monocaméral pour éviter de reproduire les mêmes erreurs qu'en 2010. Enfin, la coalition pour le progrès et la démocratie, CPD, souhaite, comme le bloc libéral, la diminution du pouvoir du président de la République. Les débats se poursuivent jusqu'au 30 mai 2023 devant l'instance parlementaire de Guinée avec les propositions de tous les acteurs politiques et sociaux du pays. Au Ghana, plus de 250 commerçants d'Accra ont bénéficié de la campagne nationale de sensibilisation aux finances du gouvernement visant à tenir la responsabilité publique pour les plans d'investissement frauduleux et à gérer les finances avec prudence. Lancé le lundi 15 mai 2023, le programme réunit des représentants de diverses institutions de réglementation financière pour éduquer les commerçants sur les investissements rentables et les plans de retraite qui peuvent aider à soutenir leurs entreprises et assurer leur avenir. Le programme de sensibilisation parrainé par le gouvernement du Ghana est soutenu par la Banque mondiale. La Banque africaine de développement encourage à mettre en place des mécanismes et des outils innovants pour relever le grand défi du changement climatique. Dans une déclaration publiée le 16 mai 2023, la BAD a indiqué que cela augmenterait les investissements dans les changements climatiques et l'environnement, stimulant la croissance tout en assurant une répartition plus équitable des ressources sur le continent africain. Le flux de financement climatique vers l'Afrique reste insuffisant, mais la Banque africaine de développement vise à atténuer et à éliminer les risques et les obstacles afin d'accroître l'intérêt des investissements privés pour le secteur. Parallèlement, elle travaille au développement d'instruments innovants de collecte de fonds pour soutenir cet effort. L'Afrique contribue à moins de 3% de réchauffement climatique. Au Togo, la ville de Lomé va développer le plan de mobilité urbaine durable PNUD, cofinancé par la Commission de l'Union européenne et la Convention des maires d'Afrique subsaharienne, comme ça, à hauteur de 600 000 euros. Le plan a été lancé mardi 16 mai 2023 par le ministère chargé des Transports. Avec ce plan, les autorités togolaises souhaitent que la capitale dispose d'un système de transport urbain qui tienne compte de l'évolution démographique de la ville. Par conséquent, ce plan propose un scénario de mobilité réaliste et pratique. Il vise à relever des défis tels que la congestion routière, la pollution de l'air, l'insécurité routière, l'accès limité aux services sociaux de base et aux commodités pour les résidents vivant à la périphérie du Grand Lomé. Au Togo, la ville de Lomé va développer le plan de mobilité urbaine durable PNUD, cofinancé par la Commission de l'Union européenne et la Convention des maires d'Afrique subsaharienne, comme ça, à hauteur de 600 000 euros. Le plan a été lancé mardi 16 mai 2023 par le ministère chargé des Transports.
Avec ce plan, les autorités togolaises souhaitent que la capitale dispose d'un système de transport urbain qui tienne compte de l'évolution démographique de la ville. Par conséquent, ce plan propose un scénario de mobilité réaliste et pratique. Il vise à relever des défis tels que la congestion routière, la pollution de l'air, l'insécurité routière, l'accès limité aux services sociaux de base et aux commodités pour les résidents vivant à la périphérie du Grand Lomé.